Everybody, welcome. Bienvenue. Tout le monde, bienvenue. Merci. How many brothers do we have? Let's. Combien de frères avons-nous? Please, if you are a holy brother. Si tu es un saint frère, s'il te plaît. Because holy brothers who pray. Ainsi, ce sont des frères saints qui prient. Let's give ourselves a congratulatory and comforting clap. Glory. I'm happy to be starting my own course today. Je suis content de commencer mon cours aujourd'hui. But I'd like us to read Psalms 2. Et j'aimerais que nous lisions le psaume 2. Verse 1 to 9. Du verset 1 au verset 2. 9. Pardon, du verset 1 au verset 9. Hugo, come and read in English. René will read in French. Psalms 2 from verse 1 to 9. I read from the NIV version. Why do the nations conspire and the peoples plot in vain? The kings of the earth take their stand and the rulers gather together against the Lord and against his anointed one. Let us break their chains, they say, and throw off their fetters. The one enthroned in heaven laughs. The Lord scoffs at them. Then he rebukes them in his anger and terrifies them in his wrath, saying, I have installed my king on Zion, my holy hill. I will proclaim the decree of the Lord. He said to me, you are my son. Today I have become your father. Ask of me, and I will make the nations your inheritance, and the ends of the earth your possession. You will rule them with an iron scepter. You will dash them to pieces like pottery. Like pottery. Like pottery. Thank you. Good. Psaume chapitre 2, versets 1 à 9. Je lis dans ses mains. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations païennes? Et pourquoi donc tremblent-elles tous ces complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous élevés? Pardon. Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés? Et les grands conspirent-ils contre Dieu et contre l'homme qui a reçu son onction? Ils s'écrient ensemble, faisons sauter tous leurs liens et jetons au loin leurs chaînes. Mais dans les cieux, sur son trône, l'Éternel rit, il se moque, et dans sa colère, il les frappe d'épouvante en leur tenant ce discours. Moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'il a promulgué. L'Éternel a dit. Pardon. Excusez-moi, je ne vois pas bien. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a déclaré. Tu es mon fils. Aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en héritage tous les peuples de la terre et le monde entier lui-même, jusqu'à ses confins lointains, sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras. Comme des vases d'argile, tu les briseras. Amen. Amen. I want to give you 5 minutes to read it. Je vais vous donner 5 minutes pour lire cela. You just take time and read the passage for yourself. Prends juste du temps et relis le passage pour toi-même. Du verset 1 au verset 9. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois
et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son ouin. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chair. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis, il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Gloire à Dieu. Amen. Psalm 2, verses 1 to 9. Why do the nations conspire and the peoples plot in vain? The kings of the earth take their stand and the rulers gather together against the Lord and against his anointed one. Let us break their chains, they say, and throw off their fetters. The one enthroned in heaven laughs. The Lord scoffs at them. Then he rebukes them in his anger and terrifies them in his wrath, saying, I have installed my king on Zion, my holy hill. I will proclaim the decree of the Lord. He said to me, you are my son. Today I have become your father. Ask of me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possessions. You will rule them with an iron scepter. You will dash them to pieces like pottery. Amen. The background to this passage. L'arrière-plan de ce passage. Last month. Le mois dernier. I took a retreat in Yaoundé. J'ai pris une retraite à Yaoundé. I locked myself for 10 days. Je me suis enfermé pendant 10 jours. I wanted to prepare for the intense ministry during the next 3 months. Je voulais me préparer pour le ministère intense que j'aurai pendant les 3 prochains mois. But for some time now. Mais depuis quelque temps maintenant. Things have been churning in my mind. Des choses tournent dans ma pensée, When we were in the US last time, quand nous étions aux États-Unis la dernière fois, I was troubled to see the believers living with a sense of defeat. J'étais troublé de voir les croyants vivant avec un sens de défaite. So many complaints. Tellement de plaintes. Complaints about the society. Ils se plaignent de la société. Complaints about the government. Ils se plaignent du gouvernement. So many complaints. Tellement de complaints. Tellement de plaintes. So something was turning in my mind. Donc quelque chose tournait dans ma pensée. Because is it with this spirit of defeat that we shall conquer the world? Parce que est-ce que c'est avec cet esprit de défaite que nous allons conquérir le monde? Secondly, deuxièmement, I started looking very squarely at our progress. J'ai commencé à regarder avec beaucoup de peur à notre progrès. The progress we are making in our world. Le progrès que nous sommes en train de faire dans notre monde. Est lent. In Boston, I had become very disturbed with what I call global trends. À Boston, j'ai été très troublé par ce que j'appelle les tendances globales. They are global. Il y a des tendances globales. That is the way the world seems to be going. C'est-à-dire la tendance que le monde a,
la tendance que le monde prend. La tendance que le monde semble prendre. And what we are going to do about it. Et ce que nous, nous allons en faire. Ce que nous allons faire à ce sujet. Donc j'étais troublé. Some of the global trends. Certaines des tendances globales. Is what they call the secularization of the nations. C'est ce qu'on appelle la sécularisation des nations. La laïcité. Ok, c'est ce qu'on appelle la laïcité des nations. More and more. De plus en plus. Most nations are putting religion out of the way the national life should be run. La plupart des nations sont en train de mettre la religion hors de la marche normale de leur nation. There is a deliberate effort not to face God, morality and spirituality. Il y a un effort délibéré à ne pas faire face à Dieu, à ne pas faire face à la morale, de ne pas faire face à la moralité, de ne pas faire face à la spiritualité. And change. Beaucoup de choses sont en train de changer. God is not a point of reference for many nations. Dieu n'est pas le point de référence pour plusieurs nations. And God is not a point of reference for many people. Et Dieu n'est pas le point de référence pour plusieurs personnes. Dieu n'est pas un point de référence pour plusieurs personnes, ni pour plusieurs nations. That's one of the mega. C'est là l'une des grandes tendances. There's the militancy of the pressure group. Il y a le militantisme des groupes de pression. Il y a le militantisme des groupes de pression. Gender pressure. Les pressions du genre, la pression concernant le genre, le groupe de pression du genre, feminism, le féminisme, the child abuse, l'abus sur les enfants, le droit des enfants. Animal abuse. Le droit des animaux. The green movement. Le mouvement. Le mouvement vers. Voilà, l'écologisme. So many. Tellement de questions. That want to impose and order the way men live. Ils veulent imposer et ordonner la façon que les qui veulent imposer et régir la vie des gens. There are many pressure. Il y a beaucoup de groupes de pression. And is the militancy of the moral perversities. Il y a le militantisme de la perversité morale. Il y a le militantisme des perversités morales. The homosexual pressure group. Le groupe de pression des homosexuels. The gay movement. Le mouvement gay. Medical killing. How do they call that one? Yeah, euthanasia. Euthanasie. Many. The right to die when you want. Le droit de mourir quand tu veux. I'm reading an article on people militating for the right to die.
Je suis en train de lire un article sur des gens qui militent sur le droit de mourir. It is because of the pressure group of those who want to advocate for the right to die. C'est à cause des groupes de pression des gens qui défendent le droit de mourir. The right to take your life. Le droit d'ôter ta propre vie. So there are many pressure groups. Donc, il y a beaucoup de groupes de pression. Moral pressure group. Des groupes de pression morale. And different pressure groups. Et différents groupes de pression. There are these mega. Il y a ces grandes tendances. But the recent mega trend that I was thinking about with when I was in the US. Et la grande tendance récente à laquelle je pensais quand j'étais aux États-Unis. Is the radicalization of ideology. C'est la radicalisation des idéologies. In our generation now. Dans notre génération maintenant. It's not enough to be a Muslim. Ça ne suffit pas d'être un musulman. You want to impose the way you believe. Tu veux imposer ta façon de vivre. Pardon, tu veux imposer ta croyance. Almost every ideology has taken on, has radicalized. They have gone to the extreme. Presque toutes les idéologies se sont radicalisées. So it's not enough. Donc, ça suffit it's pas. Not a battle of ideologies. Ce n'est pas une lutte des idéologies. It is the imperialism of each ideology. C'est l'impérialisme de chaque idéologie. The jihadists. Les jihadistes. The Hindu reactions in India. Les réactions des hindous en Inde. La réaction des hindous en Inde. La réaction de l'hindouisme en Inde. In India now. Actuellement en Inde. The state of Calcutta has already voted into law the sacredness of the cow. L'état de Calcutta a déjà voté en loi le caractère secret, pardon, sacré de la vache. The cow is a god. La vache est un dieu. To be worshipped. À adorer, qu'on doit adorer. So the killing of a cow in the Calcutta state is a crime. Donc tuer une vache dans l'état de Calcutta, c'est un crime. And to eat meat, cow meat, is a crime. Et manger la viande de bœuf, c'est un crime. It was legalized this year. Ça a été légalisé cette année. That's what I mean by the radicalization of ideologies. C'est ce que j'entends par la radicalisation des idéologies. Almost every thought, every creed, presque chaque courant de pensée, wants to impose itself. Veut s'imposer. They don't want to convince anybody. Ils ne veulent convaincre personne. They want to force you. Ils veulent te forcer. That's another mega. C'est là une autre grande tendance, une méga tendance. In the 60s, dans les années 60, it was an ideological age. C'était un âge de l'idéologie. Les gens voulaient penser. People were looking for what to be. Les gens cherchaient quoi croire. It was a conflict. C'était un conflit d'idéologie. Our generation. Notre génération n'est pas ainsi. There is no moderate, there is no tame believing that will work in our generation. Il n'y a pas de croyance
une croyance modérée qui va marcher dans nos girasses. The only kind of faith that will leave an impact. Le genre type de foi qui va laisser un impact. Le seul type de foi, de croyance, qui va laisser un impact dans nos gérants. Is somebody who believes something enough to die. C'est quelqu'un qui croit suffisamment quelque chose pour être prêt à mourir. Quelqu'un qui croit suffisamment quelque chose pour mourir. When I was reading Psalms, quand je lisais le psaume 2, I found comfort. J'ai trouvé du réconfort. What age has ever been free of global conspiracies? Quel âge a jamais été? Est-ce qu'il n'y a jamais eu d'âge qui n'est pas de conspiration contre le Seigneur? I mean, what age, what time? À quelle époque? Have nations not conspired against? Quelle époque a jamais manqué de conspirer contre? Who would like to live in the days of Nebuchadnezzar? Qui aimerait vivre au jour de Nebuchadnezzar? Qui aimerait vivre à l'époque de Nebuchadnezzar? One tyrant over half the world. Un tyran sur la moitié du monde. He kills you without even going through the Supreme Court. Il te tue sans même passer par la Cour suprême. You don't attend his church. Si tu ne vas pas à son église, tu meurs. You don't believe what he tells you to believe. Tu ne crois pas ce qu'il te demande de croire. He takes away your life. Il ôte ta vie. Who would like to live in the days of Artaxerxes? Qui aimerait vivre à l'époque d'Artaxerxes? Somebody just goes to the president and tells him that there is a certain tribe that is not very useful to his government. Quelqu'un va juste à la présence et dit au président, il y a une certaine tribu qui n'est pas très utile à son gouvernement. And the president signs a decree for the annihilation of that. Et le président signe un décret pour l'extermination de cette. Without even knowing the name of the tribe. Sans même connaître le nom de cette. He offers the extermination of a tribe as a gift to one of his ministers whom he trusts. Il donne comme don à l'un de ses ministres à qui il fait confiance l'extermination de toute une tribu. Who would like to live at that? Qui aimerait vivre à cette. There is no age. Il n'y a aucun âge, aucune époque. Il n'y a eu aucune époque. When nations have. Où les nations n'ont pas conspiré contre Dieu. We are complaining against the gay movement. Nous nous plaignons contre le mouvement gay. In Sodom, à Sodome, the gay movement was powerful. Le mouvement gay était puissant. They didn't only go with their partners. Non seulement ils allaient avec leurs partenaires. They moved in a crowd. Dans une foule. Ils se déplaçaient en foule. To mob rape strangers. Ou faire un viol de foule des étrangers. Ou violer en foule les étrangers. There is no age when people have loved God. Il n'y a pas eu d'époque où les gens ont aimé Dieu. Aucune. Let's not make as if our age. Nous ne faisons pas comme si notre époque est la pire. Aucune époque.
n'a aimé Dieu. Is he the king of Assyria? Est-ce le roi de la Syrie? He proclaimed he launched a personal propaganda campaign against God. Il a lancé une propagande personnelle, une campagne personnelle contre Dieu. So there's no a. Donc il n'y a pas eu d'époque. Where the nations have. Où les nations ont aimé Dieu. The Bible says that in the primeval world, in the early age of the world. La Bible dit que à l'ancienne, à l'époque préhistorique, au début de notre ère, the wickedness on earth was so great that even God himself could no longer stand. La méchanceté qui avait sur la terre était si grande que même Dieu ne pouvait plus la supporter. Violence. La violence. Bloodletting. L'effusion de sang. So much. Tellement. D'accord, Ria. Que Dieu a réagi. I was comforted in the realization that there is no nation, there is no age that has ever been friendly. J'ai été réconforté en voyant qu'il n'y a pas eu de nation, il n'y a pas eu d'époque qui soit, qui ait été aimable envers Dieu. Il n'y a pas eu d'époque, il n'y a pas eu de nation qui ait été favorable à Dieu. The ultra-exclusivity of the Hindus. L'ultra-exclusivité des hindous. Buddhists are invading the world. Les bouddhistes sont en train d'envahir le monde. Through yoga, à travers le yoga, Krishna, and many of the other Buddhist sects. Et beaucoup des autres sectes bouddhistes. And it is getting radical. Et c'est en train de devenir de plus en plus radical. In Belgium, when I was there, en Belgique, pendant que j'y étais, our missionary there told, she's a teacher in the system. Notre missionnaire là-bas est une enseignante dans le système. She went for a management course. Elle est allée faire un cours sur le management. They told them the first step. On leur a dit que la première étape was that they should enter a dark room. C'est qu'ils devaient entrer dans une salle noire. Removing their shoes. En se déchaussant. To meditate and enter into themselves. Pour méditer afin d'entrer en eux-mêmes. As part of the national management for teachers. Ça faisait partie du cours national sur le management pour les enseignants. You don't do it, you're not promoted. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas promu. Those are Buddhist practices. Ça, ce sont des pratiques bouddhistes. And they are imposed by the national program. Et elles sont imposées par le programme national. I'm not just talking about the radicalization of ideologies, thinking only about Islam. Donc, en parlant de la radicalisation des idéologies, je ne pense pas seulement à l'islam. Nations are towards radical. Les nations sont en train de se tourner vers des mouvements radicaux, radicalistes. And there's only one nexus around which all these conspiracies are turning. Et il y a un seul centre autour duquel toutes ces conspirations sont en train de tourner. That's what Psalm 2 is talking about. C'est de ça que le psaume 2 est en train de parler. Let's break the chains. Brisons leurs liens. Brisons les liens de Dieu. Let's scatter the influence of God. Dispersons l'influence de Dieu. Let us shatter the influence of the servants of God. Dispersons l'influence des serviteurs de Dieu. Let us end religion. Mettons fin à la religion. And its control. Mettons fin au contrôle de la religion.
That's the uniting philosophy. Ça, c'est la philosophie qui les unit. Whether it is the gay movement, que ce soit le mouvement gay, the environmental movement, ou le mouvement sur l'environnement, or the jihadist movement, ou les mouvements djihadistes, the world is tending towards the breaking of God's influence. Le monde est en train de se tourner vers le fait de casser l'influence de Dieu. And to end the influence of Christianity. Et mettre fin à l'influence du christianisme. Against the Lord. Contre l'Éternel. And against his anointed. Et contre son nom. Nations. Les nations. Conspirent. Against. Contre l'Éternel. And against his. Et contre son nom. It is an international reality. C'est une réalité internationale. The nations are conspiring. À savoir que les nations sont en conspiration. Against God. Contre Dieu. Against the servants of God. Contre les serviteurs de Dieu. The nations are rising up against moral restraint. Que les nations sont en train de se révolter contre les restreintes morales. The nations are breaking loose from spiritual parameters in guiding life. Que les nations sont en train de se libérer des paramètres spirituels comme guide de la vie. The nations are revolting against God. Que les nations sont en train de se révolter contre Dieu. That the nations are saying, les nations sont en train de dire, let us break their chains. Brisons leurs liens. That is their control. C'est-à-dire leur contrôle. Let's break it. Brisons cela. Let's be free of all moral control. Libérons-nous de tout contrôle moral. Let's be free of all moral restraint. Libérons-nous de toute contrainte morale, de toute restreinte morale. Libérons-nous, soyons libres. There is the anarchy of all the pressure. Il y a l'anarchie de tous les groupes de pression. And it is an increasing. Et c'est une tendance de plus en plus envahissante. While believers complain more and more. Pendant que les croyants se plaignent de plus en plus. And while they are absorbed with their personal feelings. Et pendant qu'ils sont absorbés par leurs sentiments personnels. Their small universe. Par leurs petits univers. With self-gratification. En se concentrant sur eux-mêmes. The world is being reshaped. Pendant ce temps, le monde, lui, il est en train de se reconfigurer. Et le monde est en train d'être reconfiguré. Par les grandes tendances. And we are saying, et nous sommes en train de dire all these trends que toutes ces tendances sont spirituelles. Elles ont une origine spirituelle. Whether the gay movement, que ce soit le mouvement gay, Islamic jihadism, le djihadisme islamique, yeah. Tout ça, c'est spirituel. It has only one uniting philosophy. Pas une seule philosophie qui les unit. Let us break the chains of God. Cette philosophie, c'est quoi? Rompons brisons les liens de Dieu. Let us not be controlled by God. Refusons d'être contrôlés par Dieu. And let's not be controlled by those by servants of God. Et refusons d'être contrôlés par les serviteurs de Dieu. Let's scatter their chains. Brisons leurs chaînes. Basculons leurs chaînes. Ne soyons pas contrôlés par eux. The restrictions of religion. Les restrictions de la religion. The narrowness, the bigotism of religion. L'étroitesse de la religion. Okay, maybe you don't live in the big world. They are only leaving you here. Peut-être que tu ne vis pas dans le grand monde, tu vis seulement tranquillement ici à Koumé.
and you are not even conscious of any mega trend apart from the fact that the price of garri is increasing. Et tu n'es même pas conscient d'une grande tendance quelconque en dehors du fait que le prix du tapioca est en train de monter. That may be the only mega trend you know. Peut-être que c'est ça la seule grande tendance que tu connais. We are only saying. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est que all over the, dans le monde entier, things are happening. Les choses sont en train de se passer. Nations are making decrees. Les nations sont en train de faire des décrets. Voting presidents, de voter des présidents. Adopting policies, elles sont en train d'adopter des politiques. Rewriting constitutions, elles sont en train de réécrire leur constitution. With one guiding, avec une seule philosophie qui les guide. To destroy, à savoir détruire l'influence de Dieu. That man's life should not be. Ils veulent une seule chose, que la vie de l'homme ne soit pas contrôlée par Dieu. L'humanisme, le capitalisme, communisme, le communisme, all these political, toutes ces idéologies politiques they want a godless, veulent une société impie, sans Dieu. That's what we are calling secular. C'est ce qu'on appelle la laïcité. Cameroon has officially adopted the secularization of state. Le Cameroun a officiellement adopté la laïcité de l'État. Next month, le mois prochain, 123 nations will be meeting in France. 123 nations vont se réunir en France. To decide on the reduction of carbon consumption. Pour décider de la réduction de la consommation du carbone. What it means concerning you and me. Ce que ça veut dire, ce que ça implique pour toi et moi, c'est que before you go and fetch firewood, you will take them. C'est que avant que tu ailles chercher du bois, il te faudra une permission. Avant que tu ailles chercher du bois de chauffage pour ta cuisine, il te faudra une permission. Let me bring it down. Ok, je ramène down ça. To earth. Je ramène ça terre à terre. They are tired because after every 20 years, the temperature of our world is increasing. Ils sont fatigués parce que à tous les 20 ans, la température de notre monde augmente. So there is what they call global warming. Donc c'est le réchauffement global. Merci. So they want to reduce how much energy derived from carbon sources. L'énergie dérive des sources. Ah d'accord. Ils veulent éliminer les sources d'énergie ici. Énergie qu'on dérive des sources à base de carbone. Ok, ils veulent éliminer l'énergie qu'on dérive des sources à base de carbone. They want alternative methods, alternative energy methods. Ils veulent des méthodes alternatives pour avoir l'énergie. It's good. C'est bien. Praise God. Gloire à Dieu. But more and more, mais de plus en plus, the nations are turning against God. Les nations sont en train de se tourner contre Dieu. Not just in their religious laws, pas seulement dans leurs lois religieuses. In ignoring God, mais en ignorant Dieu. In fighting, en luttant, en combattant, against all the restraints that are from God, contre toutes les restrictions qui viennent de Dieu, the laws of God, contre les lois de Dieu. Now, it's no longer clear now what constitutes marriage. Maintenant, ce n'est plus clair ce qui constitue le mariage. Le mariage, c'est quoi? The laws are no longer clear. Les lois ne sont plus claires. Systematically, every nation is rising against the laws of God, the Ten Commandments. De façon systématique, chaque nation est en train de se révolter contre les lois de Dieu, contre les 10 commandements. Those are the mega trends.
Voilà les grandes tendances qu'il y a dans le monde en ce moment. The reason I found comfort there, la raison pour laquelle j'ai été réconforté par ce passage is that sometimes a man feels so small. C'est que parfois un homme se sent tellement petit. And when you see the speed, et quand tu vois la vitesse avec laquelle and the energy, et l'énergie avec laquelle when I read USA Today, quand j'ai lu sur les États-Unis aujourd'hui, no, when I read USA. Quand j'ai, d'accord, quand j'ai lu le magazine USA Today, they said the legalization of same-sex marriages is a triumph of a minority gay movement that has pumped into, that has maintained militancy and injected large sums of money. Ils ont dit que la légalisation des mariages de personnes de même genre, c'était une victoire, un triomphe d'une minorité, d'un petit nombre d'un mouvement gay qui a injecté, qui sont radicalistes et qui ont injecté de grandes sommes d'argent. It is a campaign of a small minority of people. C'est la campagne d'une petite minorité de personnes. Who are deadly radical. Qui sont très radicales. And who give, who are pumped in money for influence. Et qui ont pompé l'argent pour influencer le monde. Pour influencer cette décision. Un petit groupe. Qui a compris? Our world is. Notre monde est en train de changer. All I am saying is, tout ce que je suis en train de dire, c'est que it's not the, ce n'est pas la première fois que cela se passe. There is no generation. Il n'y a pas eu de génération par le passé. Who would like to live on that? Qui aimerait vivre? Il n'y a pas eu de génération par le passé qui a été différente. Qui aimerait vivre sous Hitler? Because Hitlerism was spiritual. Parce que le mouvement de Hitler était spirituel. It comes down to breaking the influence of the Jews. C'était pour casser l'influence des Juifs. Yeah. Il y a des grandes tendances in our world. Dans notre monde. And their goal, et leur but, right, c'est de combattre Dieu. They don't say so directly. Ils ne le disent pas ouvertement. They don't use the language against God. Ils n'utilisent pas le langage contre Dieu. And some use it anyway. Et certains l'utilisent de toute façon. The goal, le but, is to break the influence of God on nations and men. C'est de rompre, de casser l'influence de Dieu sur les nations et sur les hommes. The law, les lois de Dieu. The laws of nature. Les lois de la nature. The laws of morality. Les lois de la moralité. They don't want their society governed by God. Ils ne veulent pas que leur société soit gouvernée par les lois de Dieu. The thing that comforted me, la chose qui m'a réconforté, is that when I was thinking about these mega trends, c'est que pendant que j'étais en train de réfléchir sur ces méga tendances, I was sinking in my feelings. Je sombrais dans mes sentiments. I saw many of the believers, we are weak in our minds. J'ai vu que beaucoup de croyants sont faibles, nous sommes faibles dans notre pensée. We don't think. Nous ne réfléchissons pas. We just want to survive. Nous voulons juste survivre. We just want to eat, sleep, marry. Nous voulons juste manger, dormir, nous marier. Stay in one little corner and let our children grow up and also go through the goat cycle. Rester, vivre dans un petit coin et voir nos enfants faire le même cycle de chèvres.
Let them also grow, go through school, get a job, marry, and then repeat the cycle. Qu'ils grandissent aussi, qu'ils aillent à l'école, qu'ils obtiennent un emploi, qu'ils se marient et qu'ils fassent le même cercle, même si. That's all that concerns. C'est tout ce qui nous préoccupe. If anything disturbs that world, si quelque chose dérange ce monde-là, then we are troubled. Alors nous sommes troublés. But what is happening? Mais quant à ce qui se passe dans le monde entier, it does not occur that we are a people of the kingdom. Nous n'avons pas réalisé que nous sommes un peuple du royaume de Dieu. That we are on earth to bring usher in a kingdom. Nous n'avons pas réalisé que nous sommes sur terre pour faire venir un autre royaume. We are not interested beyond what people. Donc nous, ce qui, au-delà de ce qui nous touche directement, nous ne sommes pas intéressés. My comfort came from the fact that. Mais j'ai tiré réconfort du fait que. It is God's reaction. C'est la réaction de Dieu. That comfort. Qui m'a réconforté. God does not seem to be. Dieu ne semble pas dérangé. Who has noticed it? Qui a remarqué cela dans le texte? There are not many places in the Bible where it says God laughs. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans la Bible où il est dit que Dieu rit. He is one of them. Voici l'un des rares endroits. God just busts out laughing. Dieu a juste éclaté de rire. God laughs at international conspiracies. Dieu se rit des conspirations internationales. God laughs at the plottings of kings, presidents, and monarchs. Dieu se rit des complots des rois, des monarques et des présidents. He looks at them. Il les regarde. Small ants plotting. Des petites fourmis en train de comploter. Il a éclaté de rire. God laughs. Dieu rit. God is laughing at the gay movement. Dieu est en train de rire, de se rire du mouvement gay. God is laughing at the jihadist. Dieu est en train de se rire du mouvement jihadiste. They are so bent on changing the world. Ils sont tellement engagés à changer le monde. And God is not. Et Dieu n'est pas le moins perturbé. In fact, they have succeeded to amuse God. En fait, ils ont réussi à amuser Dieu. God does not have much entertainment. Il n'y a pas beaucoup de choses qui divertissent Dieu. But the presumptions of kings. Mais les présomptions des rois. Amuses God. Amuse Dieu. God laughs. Dieu rit. That's what comforted. C'est ça qui m'a réconforté. I read about the laughing God. J'ai lu au sujet du Dieu qui rit. Over mega trends. Qui se rit des méga tendances. Who laughs at the schemes of men. Qui se rit des ruses de tout ce que les hommes essayent de planifier. Clap for the Lord. Applaudissez pour le Seigneur. I want a few people to thank the Lord that is in perfect control. God has never lost control. Je voudrais que quelques personnes se lèvent pour remercier le Seigneur de ce qu'il est parfaitement au contrôle. Dieu n'a jamais perdu le contrôle. Et tout de suite, oh Seigneur, tu te ris de tous ces complots. Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons. Nous te bénissons et nous sommes encouragés, Seigneur, de savoir que tu es parfaitement au contrôle. Reçois la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Notre Père, nous exaltons ton nom. C'est toi qui as créé ce monde. Et si tu restes au contrôle de ce monde, nous te bénissons parce que tu ne peux pas déranger. Parce que tu te passes dans le monde. Parce que tu es au contrôle. Tu es au repos. Et nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Seigneur, nous te rassurons également cet après-midi. Que tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Merci beaucoup pour cette assurance qui nous fortifie. Sois loué, sois adoré, sois magnifié au nom de Jésus. Amen. Et Dieu, toi seul est Dieu. Le Dieu tout puissant, tout suffisant. Tout ce qui se passe n'est rien devant tes yeux. Si ça réussit à te réjouir, à te faire rire, c'est que tu sais que ça ne va pas durer. Et c'est l'odeur de caca qu'ils font là-bas, Seigneur. Et nous te sommes reconnaissants. Parce que pendant que tu vois que c'est bien, t'accrochons à toi.
savoir que ça ne nous dérange même pas un peu, parce que tu veilles. Tu dois exalter notre Jésus. Amen. 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 Dans les laughs. Dieu ne fait pas que rire. He rebukes nations. Ils opprimant les nations. In anger. Dans sa colère. He rebukes nations. Il réprimande les nations. Overthrows kings. Il renverse les rois. Destroys. Il détruit les gouvernants. Arise. Moral. Il s'élève contre les restrictions morales. Et régissements moraux. God laughs and God rebukes. Dieu rit et Dieu réprimande. Why does God laugh and why does God rebuke? Pourquoi Dieu rit-il et pourquoi Dieu réprimande-t-il les nations? When you go back to Psalms, quand on revient au psaume 2, it does. Parce que ça n'interfère pas avec le travail de Dieu, l'œuvre de Dieu. Donc, God still appoints his anointed. Dieu nomme, il continue à nommer. God continues to raise servants. Il continue à susciter des serviteurs. For every age. Pour chaque époque. He raises men. Il suscite des hommes. For every age. Pour chaque époque. Nebuchadnezzar has his Daniel. Nebuchadnezzar avait son Daniel. Artaxerxes has his Nehemiah. Artaxerxes avait his Mordecai. Mardoché. God still raises men. Dieu continue à susciter des hommes. When God sees all the mega trends, quand Dieu voit toutes les méga tendances, all that the devil is doing to carry men to perdition, tout ce que le diable est en train de mettre en place pour transporter les hommes dans la perdition, when God sees all that the nations are doing to shake off the influence of God, quand Dieu voit tout ce que les nations sont en train de faire pour secouer de dessus elles l'influence de Dieu, il ne rit pas seulement. Il nomme des hommes. Il continue son œuvre. God continues his work in the nations. Dieu continue son œuvre dans les nations. God continues his work in the world. Dieu continue son œuvre dans le monde en suscitant des hommes pour chaque époque, pour chaque défi, pour chaque méga tendance. Dieu suscite des hommes. I have placed my anointed one on the throne. C'est moi qui est où est mon roi. Amen. C'est moi qui l'ai mis sur le trône. Amen. Amen. I have placed my anointed one in office. C'est moi qui ai placé celui que j'ai oint à son poste. Dieu continue son œuvre. God uses very important language in this psalm. Dieu utilise un langage très important dans ce psaume. I have appointed. J'ai, c'est moi qui ai nommé. God is saying that I am the king. Dieu est en train de dire, c'est moi le roi. I am the one who appoint. C'est moi qui nomme. I raise. Je suscite, c'est moi qui suscite les hommes. Isaiah says, Esaïe dit, Paul says the Lord to Cyrus, ainsi dit l'Éternel à Cyrus, I called you, je t'ai appelé, I raised you, je t'ai élevé, I appointed you, je t'ai nommé, to carry out my decree, pour accomplir mes décrets, even though you don't know, bien que tu ne me connaisses pas. God chooses. Dieu choisit des présidents, même ceux qui ne le connaissent pas. God raises leaders. Dieu suscite des dirigeants, even those who don't know him. Même ceux qui ne le connaissent pas. God has not lost control. Dieu n'a pas
perdu le contrôle. That's the first thing that... Ça, c'est la première chose que Dieu fait. God con... Dieu continue son œuvre. God continues to raise people who will serve him. Dieu continue à susciter des personnes qui vont le servir. When God's answer to all these mega trends is not counter-pressure move. La réponse de Dieu à toutes ces grandes tendances, ce n'est pas des mouvements contraires. C'est pas des mouvements contraires aux questions. Non. Ce n'est pas des mouvements. Dieu ne fait. L'église n'est pas. God is not. God does not go in counter pressure, a counter movement. Dieu ne n'établit pas des syndicats. Trade union. Des syndicats. Mafias. Des mafias. Cabals. Des cabales. God is not. Dieu n'est pas là dedans. Dieu ne se sert pas de cela. In the midst of all the mega trends, au milieu de toutes ces grandes tendances, trade unionism, Dieu n'est pas en train de mettre sur place des syndicats. God is not raising up any trade union. It is, those are not God's methods. Ce ne sont pas là les méthodes de Dieu. Political methods. Les méthodes politiques. Jésuitry. Les méthodes des jésuites. God is not into... Dieu n'est pas là-dedans, ne s'en sert pas. God just con... Dieu continue simplement son God, œuvre. God still just appoints men to... Dieu continue juste à nommer des hommes pour le servir. God just continues to raise servants. Dieu continue juste à susciter des serviteurs. Every age, dans toute époque. Every nation, dans toute nation. In every counter movement against, par rapport à tout qui se lève contre lui. God just continues doing his work. Dieu continue simplement à faire son œuvre. By raising men. En suscitant des hommes. What am I saying? Que suis-je en train de dire? You may have been living in an age. You may be living in this world for a time like. Peut-être que la raison même pour laquelle tu es vivant dans ce monde, c'est pour une période comme celle-ci. Peut-être que la raison pour laquelle tu es vivant dans ce monde en cette période. Is that God? You are one of those that God wants to use in continuing His work. C'est que tu es l'un de ceux que Dieu veut utiliser pour continuer son œuvre. God just continues. Dieu continue juste son œuvre. Who has understood? Qui m'a compris? God does not yield to fear dynamics. Dieu ne cède pas à l'effroi, à la peur. Believers want to. Turn to fear. Les croyants veulent se tourner vers la. Les croyants se livrent à la peur. Sont enclins à la peur. And they adopt fear solutions. Et ils adoptent des solutions de peur. Let us sign a long petition. Political petition. Rédigeons une longue pétition politique. Petition methods. Political methods. Des méthodes de pétition, des méthodes de politique. God is not into all those methods. Dieu n'est pas dans toutes ces méthodes-là. God just... Dieu continue simplement ton œuvre.
Oh, combien je souhaiterais que nous saisissions cela. God wants us. Dieu veut que nous nous concentrions sur ce qu'il nous a donné à faire. Not the looking around at what is happening. Et pas que nous nous mettions à tourner les regards à gauche, à droite dans ce qui se passe dans le monde. Pas que nous promenions des regards inquiets sur ce qui se passe dans le monde. Just continue the work. Il continue juste son œuvre. No. Il veut juste que nous continuions notre œuvre. Just continue the work. Continue juste le travail. I have established my anointed one. J'ai établi mon oint. Have you felt the call of? Est-ce que tu as ressenti l'appel de Dieu? You may not know why God called. Tu pourrais ne pas savoir pourquoi Dieu t'a appelé. The context of God's call may be far bigger than you. Le contexte de l'appel de Dieu peut être de loin plus grand que toi. Just continue your work. Continue juste ton travail. God wants just to go on with his work. Dieu veut juste continuer avec son œuvre. God does not stop to react against the global conspiracies. Dieu ne s'arrête pas pour réagir par rapport aux conspirations globales. Oh, Dieu n'interrompt pas son travail pour s'occuper de ce qui se passe dans le monde. Continue juste ton travail. That's the best challenge for all of us. Voilà le premier défi pour nous tous. We relate to the government of God. Nous traitons avec le gouvernement de Dieu. Merci. Nous sommes branchés sur le gouvernement de Dieu. And in being related to the government of God, et en étant branchés sur le gouvernement de Dieu, we are not looking at what the megatrends, the conspiracies of the nations, and all the revolt mechanisms, nous ne regardons pas à ce que les méga tendances, les conspirations des nations vont nous faire. We are hooked to the government. Nous sommes connectés au gouvernement de Dieu. And in that connection. Et dans cette connexion, God wants us just to. Dieu veut que nous continuions juste son programme. Son œuvre. God's only reaction to the mega trend is to appoint servants that will continue. La seule réaction de Dieu aux méga tendances, c'est de nommer des serviteurs qui vont continuer à le servir. This concentration. Cette concentration sur le but. By those. Par ce que Dieu a appelé, c'est ça qui fait défaut. C'est ça qui manque. So we look at what Donc nous regardons ce qui se passe dans le pays et nous avons des craintes concernant notre avenir. We hear news about what is happening in the nation. Nous entendons des informations sur ce qui se passe dans les nations. And we are. Et nous sommes ébranlés. God's government. Le gouvernement de Dieu. News. Continue à nommer ses serviteurs pour faire son œuvre. Nous devons nous concentrer sur l'œuvre de Dieu et sur ce que Dieu veut que nous fassions. Though the mountains be removed, though the hills be upset, que les montagnes soient déplacées, que les collines s'affaissent. Dieu est au Mont Sion. God. Dieu est dans l'église. And God is not in the church to protect. Et Dieu n'est pas dans l'église pour nous protéger. God's goal is not to protect. Le but de Dieu, ce n'est pas de nous protéger.
Dieu veut que nous continuions notre travail. It is not a defense. God's presence is not for our comfort and our protection. La présence de Dieu, ce n'est pas pour notre réconfort et pour notre protection. God, la présence de Dieu, le gouvernement de Dieu, la seigneurie de Dieu, kingship of the Lord, la royauté du Seigneur, c'est que nous continuons son œuvre. Nous devons savoir, nous devons chercher à savoir ce que Dieu veut et le faire. Et le faire. Le service de Dieu by men appointed by God, par des hommes nommés par Dieu, by women appointed by God, par des femmes nommées par Dieu, God answered the age. C'est ça la réponse de Dieu à notre ère. Aux grandes tendances. Just continue the work. Continue juste le travail. Juste le fait de continuer le travail. Just go on with the work of God. Juste continue avec l'œuvre de Dieu. That's the... Ça, c'est la réaction divine. We have looked at the global... Nous avons vu les tendances globales and God. Et la réaction de Dieu. What is God's reaction? Quelle est la réaction de Dieu? Laughs at the nations. Il rit, il se rit des nations. He rebukes them. Il les réprimande. He appoints his servants to go on. Il nomme ses serviteurs pour continuer avec son œuvre. Qui a compris? God laughs at Dieu, the trends. Dieu se rit des tendances. God rebukes the nations. Dieu réprimande les nations. We are going to pray in the Bible. Dans la Bible, Daniel prayed that God should teach Belshazzar a lesson. Daniel avait prié pour que Dieu enseigne une leçon à Belshazzar. And God did. Et Dieu l'avait fait. In answer to Daniel's prayers. En réponse aux prières de Daniel. God sent an angel to write on Belshazzar's life. Dieu avait envoyé un ange pour écrire sur la vie de Belshazzar. Mene, mene, tekel, fasten. Mene, mene, tekel, fasten. I pray. Par la prière. Daniel wrote a decree. Daniel avait écrit un décret. On a king who had overstepped his moral limits. Sur un roi qui avait débordé ses limites morales. You have been weighed. Tu as été pesé. You have been found what? Tu as été trouvé léger. Your reign is... Ton règne a pris fin. His reign and his life ended that night. Son règne et sa vie ont pris fin cette même nuit. Through prayer, par la prière, we must write on the lives of statesmen. Nous devons écrire sur les vies des hommes d'État. Mene, mene, tekel, mene, mene, tekel, ufas. There is another government which is higher than than nationhood. Il y a un autre gouvernement qui est plus élevé que les nations, qui est au-dessus des nations. Notre gouvernement qui est plus élevé, qui est au-dessus des nations. That government rules. Like God told Nebuchadnezzar, you must learn that heaven. Comme Dieu avait dit à Nebuchadnezzar, tu dois apprendre que le ciel domine. Amen. Dites amen. One Daniel in the kingdom. Un seul Daniel dans le royaume. And the greatest tyrant of the ancient age. Et le plus grand tyran de cette époque-là, de l'époque ancienne, had to learn. A dû apprendre the heaven reign. Que le ciel
domine. God gave him a small drug and he was bad. Dieu lui a donné un petit comprimé et il était vraiment fou pendant 7 ans. Mortality sits on men as a signature of their life. La démence se saisit des hommes. La mortalité est imposée aux hommes. Mortality sits as a sick. La mortalité est assise sur les hommes comme une. D'accord, merci. Pour leur montrer qu'ils. Merci. La mortalité plane sur l'humanité pour montrer aux hommes leurs limites. Dieu domine. Dieu domine. It is this fact that God wants us just to continue our walk without becoming frightened or reactionary against the conspiracies of the nation. That is my big burden. Le grand fardeau que je voudrais que nous comprenions, c'est que ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous ayons peur ou que nous réagissions à ce qui se passe dans les nations, mais que nous nous concentrions sur notre travail. Go on with his work. Ah, merci. Que nous continuions avec son œuvre. The service of God. Le service de Dieu. Relates us to a dependent. Nous connecte à un royaume qui ne dépend d'aucune nation. Friends to this nation. Indifférent. Et l'indifférence à ces nations. If our eyes. Si nos yeux se tournent vers Dieu. Ils vont se détourner de ce qui se passe dans les nations. Let us pray that we'll be close of God and just pursue ourselves and let God handle. Nous allons nous arrêter et prier un peu. Prions pour que nous soyons conscients de Dieu et que nous poursuivions l'œuvre de Dieu et laissons Dieu gérer le monde. That our hearts will take seriously what God has given to us to do. Prions pour que nos cœurs prennent au sérieux ce que Dieu nous a donné à faire. That we will serve the Lord in full knowledge of His sovereignty and of God. Prions pour que nous servions le Seigneur connaissant pleinement sa souveraineté et son gouvernement. Étant conscient qu'il est souverain et qu'il domine. If we become conscious that God is sovereign, et si nous devenons conscients du fait que Dieu est souverain, nous allons continuer, nous allons confronter ce que notre nomination exige et le faire. Do what God has called. Nous allons faire ce que Dieu nous a appelé à faire. Preoccupation with what the nations are, what is happening in the nations. La préoccupation, se préoccuper de ce qui se passe dans les nations, c'est une distraction. For those who have lost connection. Pour ceux qui ont perdu la connexion à Dieu. He is the king. Il est le roi. And government of the nations shall be upon his shoulders. Et la domination des nations reposera sur ses épaules. Il est Seigneur. He wants us to do will on earth as it is done. Il veut que nous fassions sa volonté sur terre comme elle est faite au ciel. He wants you to do his will on earth as it is done in heaven. Il veut que toi tu fasses sa volonté sur la terre comme elle est au ciel. Comme elle est faite au ciel. That's what. C'est ça que Dieu veut. And it's okay. Quelques personnes peuvent-elles prier pour que cela soit compris?
And that it will gather us inside and focus us on our task. Et que cela nous rassemble à l'intérieur et nous focalise sur notre tâche. Que quelques personnes prient. Oh, que tu es en train de susciter, oh Seigneur, pour que ton œuvre avance. Seigneur, merci parce que tu as fait de nous, Seigneur, ces hommes-là. Oh, notre Dieu, nous prions, Seigneur, afin que par l'œuvre de ton Saint-Esprit, Seigneur, oh, notre Dieu, que tu nous donnes d'être conscients, Seigneur, oh, Dieu, de savoir que tu es assis sur ta montagne, Seigneur, sur Sion, et que tu règnes. Oh, notre Dieu, que cela nous préserve du fait, Seigneur, d'être distrait. Oh, Seigneur, regardez à ce qui se passe, Seigneur, dans les nations, tout autour de nous. Oh, Seigneur, du fait que on promène des regards inquiets. Seigneur, préserve-nous, Seigneur, oh Dieu, de la peur, de la distraction. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur, accorde-nous la capacité de savoir que tu es souverain, et que tu comptes sur nous, Seigneur. Oh, nous allons nous lever, Seigneur. Nous n'allons pas te décevoir. Merci beaucoup, Seigneur, parce que nous allons accomplir, Seigneur, ce travail pour lequel tu nous maintiens en vie. Béni sois-tu, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. What's happening around? And we thank you for your answer to us, oh God. You look at all these things and you laugh. Oh God, you rebuke them and you continue your work. You appoint men to continue to accomplish your will. Oh God, we pray that you grant us to understand that what is expected of us at this moment, oh God, is not to be worried, to be anxious, not to be baffled by all that's happening, but to concentrate on you, oh God, to concentrate on your call on our lives, to do the work you have appointed us to do. We beseech you, Lord God, that our eyes will turn away from all that's happening around, from all the agitations, and focus on that to which you have called us, oh God, and that we'll do it and accomplish your will on earth, oh God, as you have decreed in heaven. We beseech you, Lord God, that you set us free from every tendency to be distracted by what's happening from left to right, oh God, that we'll focus on you and your call on our lives. We beseech you, Lord God, in Jesus' name. Amen. Lord, thank you. I read verse 9. Let's read it again, because that's what... That's the core of what we are... That's what concerns the World University of Prayer. Psaume chapitre 2, versets 7 à 9. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Amen. Verse 7 to 9. I will proclaim the decree of the Lord. He said to me, you are my son. Today I have become your father. Ask of me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. You will rule them with an iron scepter. You will dash them to pieces like pottery. Amen. I wanted to summarize. First, is the conspiracies of the nation. Global conspiracies against conspiration globale contre Dieu. Les conspirations des nations contre Dieu. Nations revolt against God. La révolte des nations contre Dieu.
nations conspire. Pourquoi les nations, pourquoi ce tumulte parmi les nations? And react. Et pourquoi réagissent-elles? Fit at those global trends. Nous avons un peu vu ces tendances globales. The schemes of presidents and nations. Les plans des présidents et des nations. Directed against the Lord. Contre l'Éternel et ceux qui le servent. A determination to break the restraint, moral and spiritual and God's restraint. La détermination men, de, rompre, de rompre les de la loi de Dieu. The first part. C'est ça la première partie. All what the presidents are planning. Tout ce que les présidents sont en train de planifier. Je suis en train de chercher à montrer que les rois, ils ont un problème avec Dieu. They have a problem with God. Ils ont un problème avec Dieu. Il y a ce désir de briser l'influence de Jésus. And of those who serve God. Et de ceux qui servent Dieu. C'est spirituel. Ce n'est pas politique. We have looked at the conspiracy of the nation. Nous avons vu les conspirations des nations contre Dieu. In passing. En passant. Because a detailed look. And I try to read four different magazines at least three or four times a week. Je me force à lire 3 à 4 magazines au moins 3 à 4 fois par semaine. Je me force à lire 3 à 4 magazines par semaine. Recently, I got tired of reading all the bad. Récemment, je me suis fatigué à lire toutes les mauvaises nouvelles. Just bad news. Juste des mauvaises nouvelles, des mauvaises nouvelles. Violent. La violence, la violence. What we just finished looking at. Ce que nous venons juste de voir. Is God's reaction. C'est la réaction de Dieu. We have seen the nation's action. Nous avons vu les actions des nations. We have looked briefly at God's reaction. Nous avons brièvement vu la réaction de Dieu. Total sovereign. Sa souveraineté totale. Of control. Le fait qu'il est totalement au contrôle. After. Le rire de Dieu. And the rebuke of the nation. Et la réprimande contre les nations. Je n'ai pas beaucoup parlé au sujet de la réprimande des nations. Parce que je suis en train de me demander si mes gens de Koumé, je regardais, j'observais mes gens de Koumé, s'ils s'intéressent à ce qui se passe. Ils pourraient penser que leur dirigeant est maintenant en train de prêcher la politique. Mais Dieu réprimande des nations. It changes centers of civilization. Il change de centre de, il change les centres de civilisation. Nation is going towards China. Chaque nation est en train d'aller vers la Chine. China is now presently has a monopoly on 80% of all global exports. La Chine a maintenant le monopole de 86% de, la Chine a maintenant le monopole de 80% de toutes les exportations mondiales. And worse, et pire encore, it generates 60% of raw material. Il produit 60% de matières premières. No countries in the near horizon to seize economic control from China. No one. Aucune nation n'est en mesure dans un proche avenir de saisir le contrôle économique dans les mains de la Chine. A nation that generates 60% of its raw materials. Une nation qui produit 60% de ses matières de base.
produces 80% of world consumption, produit 80% de tout ce que le monde consomme, and has an autonomous market in population. Et a un marché autonome à cause de sa grande population. They started their big commercial bank. Ils ont commencé leur grande banque commerciale. Their industrial bank. Leur banque industrielle. And World Bank is threatened because of it. Et la Banque mondiale est effrayée parce qu'elle va s'écrouler. Even Australia has sided with China. Want to survive? Même l'Australie a pris le parti de la Chine qui ne veut pas survivre. The big US of A. Les grands États-Unis d'antan. Les grands États-Unis d'Amérique. In that house. Ils sont en train de trembler. Les choses sont en train de changer. Dieu réprimande des nations. Dieu réprimande les nations. He told Isaiah, il a dit à Isaïe, you see this fellow who is blaspheming? Tu vois ce gars qui est en train de blasphémer? He will not even shoot one gun. Il ne va même pas tirer une seule arme. I will take him by the ear. Je vais l'attraper par les oreilles. And throw him out. Et le jeter dehors. God is still pulling the ears of nations. Dieu continue à tirer les oreilles des nations. Who is understanding? Qui me comprend? The centers of civilizations are in flux. Les centres des civilisations sont fluctuants, sont en train de changer. Dieu réprimande les nations. He can take the arrogance of a nation and end it. Il peut prendre l'arrogance d'une nation et en finir en une seule nuit. The first cars that run only on electrical energy are already being fabricated. Les premières voitures qui fonctionnent seulement avec l'énergie électrique sont en fabrication. Sont déjà en fabrication. Ah, pardon. Sont déjà fabriquées. Yes. You charge it once. Tu charges cela une fois. It drives for 300. Et ça conduit pendant sur 300 km. Master, you are in heaven. You are really in heaven. You are not longer on this our earth. Vous êtes déjà au ciel. Vous n'êtes plus sur notre terre ici. The first plane to travel around the world using only solar energy. Le premier avion à voler dans le monde utilisant seulement l'énergie solaire. Without fuel. Sans carburant, sans le kérosène. Has already covered over 16,000 nautical. What are nautical miles? 16,000 nautical miles. Ok, ça a déjà couvert plus de 16,000. 1000 nautiques. What? Le monde est en train de changer. Very soon you just buy your car. Charge the battery. Très bientôt tu achètes juste ta voiture, tu charges la batterie. And go. I just go. Et tu pars toi juste. Hein? Yeah. The first car that runs on water has already been tested. La première voiture qui utilise de l'eau comme carburant a déjà été testée.
That one is more expensive than the one that runs but. L'autre est plus cher que ce qui fonctionne avec une batterie électrique. Because it has to convert, produce hydrogen from water, so it runs on hydrogen. Parce qu'il doit produire l'hydrogène à partir de l'eau, donc il fonctionne avec l'hydrogène. God's reaction to all this. La réaction de Dieu face à toutes ces tendances. He laughs. Il rit de cela. Il rit d'eux. Il les réprimande. Il appointe. Et il nomme ses serviteurs pour continuer son œuvre. Whatever is happening in your nation, quel que soit ce qui est en train de se passer dans ta nation, find God's will for your life and pursue it. Trouve la volonté de Dieu concernant ta vie et poursuis-la. C'est tout ce qui importe. Le ciel gouverne. Le ciel gouverne. Now we are going to face the servants of God. Maintenant, nous allons voir les serviteurs de Dieu. Mais là, l'impérialisme de la prière. L'impérialisme par la prière. Prayer imperialism. L'impérialisme par la prière. There we are going to be looking at how the servants of God handle their generation. Là nous allons voir comment les serviteurs de Dieu gèrent leur génération. Welcome to the world. Pray. Bienvenue à l'université mondiale de la prière. How the servants of God handle their generation. Comment les serviteurs de Dieu gèrent leur génération? How the servants of God handle their generation. Comment les serviteurs de Dieu gèrent leur génération? That's our course. C'est ça notre cours. All the other part. Tout le reste là, c'était l'arrière-plan. They read for us again verse 7 and verse 9. Psaume chapitre 2 du verset 7 au verset 9. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Amen. Psalm 2, verse 7 to 9. I will proclaim the decree of the Lord. He said to me, you are my son. Today I have become your father. Ask of me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. You will rule them with an iron scepter. You will dash them to pieces like pottery. Amen. Je voulais faire ressortir trois choses à partir de ce passage.
I will proclaim the decree of the Lord. Je publierai le décret du Seigneur. Je publierai le décret du Seigneur. Those that God has called know God's government. Ceux que Dieu a appelés connaissent le gouvernement de Dieu. Those of us who have been called by God, ceux d'entre nous qui avons été appelés par Dieu, we must know the, nous devons connaître le gouvernement divin. We must know God's decree. Nous devons connaître les décrets de Dieu. Decree is a presidential word. Décret, c'est un mot présidentiel. The government. Un mot de gouvernement. I will proclaim the Lord's decree. Je publierai le décret du Seigneur. We are called to serve the Lord. Nous qui sommes appelés à servir le Seigneur, we must. Nous devons connaître les décrets de. And the Cameroon government publishes a national gazette. Le gouvernement camerounais publie le journal officiel. Where they publish the decrees of. Là où on publie les décrets du président. The servant of the Lord must know God's. Les serviteurs du Seigneur doivent connaître les décrets du Seigneur. The servant of the Lord must know God. Le serviteur du Seigneur doit connaître les décrets du Seigneur. Who has understood? A decree is what the president has decided must happen by his. Le décret, c'est ce que un décret, c'est ce que le président a décidé. Qui doit être fait utilisant son autorité. Un décret, c'est une décision présidentielle. As we know that God wants to continue his work. Sachant que Dieu veut continuer son œuvre, how does he go about? Comment est-ce qu'il s'y prend? Those who have been called by God, ceux qui ont été appelés par Dieu, who must continue God's work, qui doivent continuer l'œuvre de Dieu, as we have said, comme nous l'avons dit, they must know how God goes about it. Ils doivent savoir comment Dieu s'y prend concernant ces choses. God's decree, les décrets de Dieu, God's decree, le décret de Dieu. In this decree of God, dans ce décret de Dieu, there were three components. Il y avait trois composantes. The first, la première, you are my son. Tu es mon fils. Today I become. Je t'ai engendré aujourd'hui. The purposes of God are accomplished by those who are in a deep personal relationship. Les desseins de Dieu sont accomplis par ceux qui ont une relation personnelle avec lui qui est profonde. The purposes of God are carried out not just by those who serve him, but by those who have a personal. Les desseins de Dieu sont accomplis non seulement par ceux qui le servent, mais par ceux qui ont une relation personnelle avec lui. The first aspect of divine government, le premier aspect du gouvernement divin, is to have people who build a deep personal. C'est d'avoir des gens qui bâtissent une relation personnelle avec Dieu qui est profonde. Who have the assurance that they have been adopted by God personally. Des gens qui ont l'assurance qu'ils ont été personnellement adoptés par Dieu.
The knowledge of a personal claim on God. La connaissance assurance of their personal stand with God. Des hommes qui ont une assurance de leur stature personnelle avec Dieu. Yeah. Et mon fils. That's a word of adoption. Ça, c'est une parole d'adoption. In serving God, en servant Dieu, dans le service à Dieu, it is critical that the servant of God should have settled his own standard. C'est critique, c'est déterminant que le serviteur de Dieu ait connaisse son standing. Tu es mon fils. There are many things that we are doing so that we can have some assurance. Il y a beaucoup de choses que nous faisons pour avoir une certaine assurance de Dieu. We fast, nous jeûnons, we pray, nous prions, we be, nous donnons, we sac- nous sacrifions yes. Pour être acceptés par Dieu. A true service from, of God starts from inner assurance. Mais le véritable service de Dieu commence à partir d'une assurance intérieure. My son. Et mon fils, je suis ton père. If we don't build a personal relationship with God, si nous ne bâtissons pas la relation personnelle avec Dieu, then we don't know how God works. Alors nous ne savons pas comment Dieu agit, comment Dieu. Nous ne savons pas comment Dieu fait ces choses. This is the decree of the Lord. Voici le décret de l'Éternel. It doesn't start on mega issues, global trends. Ça ne commence pas par les grandes tendances. It starts with inward assurance about your personal relationship with God. Ça commence par une assurance personnelle, une assurance intérieure au sujet de ta relation personnelle avec Dieu. Have you received that assurance? Est-ce que tu as reçu cette assurance là? That inner assurance. Cette assurance intérieure là. Of where you stand. De ta stature, de ton standing avec Dieu. Bible says. La Bible dit. Jesus knew that God had sent. Jésus, sachant que Dieu l'avait envoyé. That God had given him everything. Que Dieu lui avait tout donné. That he came from God. Qu'il était venu de Dieu. And that he was going to God. Et qu'il rentrait à Dieu. Knowing all that. Sachant tout cela. He removed. Il a ôté son vêtement. Et il a lavé les pieds de ses disciples. Obedience. L'obéissance à Dieu. Le service à Dieu. Flows from that inner assurance. Tout cela coule de cette assurance intérieure. It flows from that inner assurance. Cela coule de cette assurance intérieure. When anybody is doubting his relationship with God, lorsque une personne quelconque est en train de douter de sa relation avec Dieu, if anybody has problems of conscience, si quelqu'un a des problèmes de conscience, il ne peut pas servir le Seigneur. Il ne peut pas aller loin. Much of what he will do will be for him, will be to gain assurance. Une grande partie de ce qu'il va faire sera pour gagner de l'assurance, pour avoir une assurance. I know the decree. Je connais le décret de Dieu. That is no, the Lord. De l'Éternel. I know the decree of the Lord. Je connais le décret de l'Éternel. That's what the servant of the Lord in this passage says. Voilà ce que le serviteur du Seigneur dit dans ce passage. I know how God does things.
Je sais comment Dieu fait les choses. Firstly, premièrement, il m'a adopté. I know where I am. Je connais mon standing. It is building this relationship with. C'est le fait de bâtir cette relation avec Dieu. Having this personal adoption of God. Le fait d'avoir cette adoption personnelle de la part de this Dieu. This divine attestation. Cette attestation divine. That he has a, qui nous a accepté. That underlies. Qui a la racine même? De gouverner pour Dieu. Merci. C'est ça qui a la racine du gouvernement pour Dieu. De gouverner pour Dieu. Please understand. Tu me comprends. When the Lord Jesus, and it is not something, I'm not talking about being born again. Je ne suis pas en train de parler d'être né de nouveau. Je parle de l'assurance intérieure. When Jesus was being baptized at the Jordan, quand Jésus était en train d'être baptisé dans le Jourdain, he had that testimony. Il avait eu ce témoignage. This is my beloved son. Voici mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. It was a divine. Il y avait l'attestation divine. Est-ce que tu l'as? Qu'est-ce que Dieu t'a dit te concernant in his purposes. Dans ses desseins? Decree means his purposes. Le décret. Le décret, c'est on parle. Oui, parler des décrets, c'est parler de ses desseins. Who are you? Qui es-tu pour Dieu? He does not say, you are my child. Il n'a pas dit, tu es mon enfant. Son. Il dit, tu es mon fils. Tu as mûri. Like. Tu es comme moi. Tu peux me représenter. Tu es mon fils. Comment est-ce que je peux dire cela? When I came from Nigeria, quand je suis revenu du Nigeria, told the Lord, j'ai dit au Seigneur, the Lord, j'ai dit Seigneur, you have done a very terrible. Tu nous as fait une chose très terrible, like, en prenant le frère Zach. Wow. Lequel d'entre nous has the depths of assurance he had, a les profondeurs d'assurance qu'il avait from work with you for 50 years. De tirer du fait d'avoir marché avec toi pendant plus de 50 ans avec une conscience claire. Wow. Lequel d'entre nous Tu es apparu auquel d'entre nous pendant plus de, tu es apparu auquel d'entre nous plus de 5 fois. Pour établir une relation très confirmée. Une relation très affermie, merci. Look at many of them. Quand je regarde plusieurs des couvriers, many of them bad. Je vois plusieurs d'entre eux. Non. Comment? Non, pas ballotté. Un peu, oui. En miettes. Battered. By memories of
miette à cause des souvenirs de conscience et d'échec. À cause des péchés répétés qu'ils ont commis. Violations of light, that is. Et ayant violé la lumière qu'ils connaissaient. Entrenched disobediences. Des désobéissances perpétrées. Des désobéissances établies. Et des désobéissances établies. That's okay. Et ça a affaibli leur assurance. And you see it there. Et tu vois ça dans leur réaction. C'est les luttes. Les irritabilités. La pauvreté. Because of it. À cause d'un intérieur détruit. Les shouting. Les cris, les gronderies. The fighting over men. Les luttes sur les hommes. All are symptoms of sickly consciences. Tout ça, c'est des symptômes des consciences malades. People have no sense or assurance. Des personnes qui n'ont aucun sens ou aucune assurance d'un standing avec Dieu. Pas de paix qui surpasse toute intelligence. Pas de joie. Tellement de luttes. Tellement de complexes. Des choses qui les rendent perplexes. Étant trop conscient de soi, introspectif, merci. There's so few who are fools. Il y a un si petit nombre qui sont pleins d'assurance. Who carry God. Ils portent Dieu. Who know. Ils savent avec certitude. Ils sont assurés. Of God's commitment. De l'engagement de Dieu vis-à-vis d'eux. Tu es mon fils. Je suis ton père. The adoption. L'adoption. L'assurance. L'assurance. The divine. L'engagement divin. Communion. La communion. The sense of belonging. Le sens d'appartenance. The freedom of access. La liberté d'accès. Je suis ton père. Too few walk in assurance. Trop peu marchent dans l'assurance. Too few know the nearness provided by the. Trop peu connaissent la proximité produite par le sang, rendue possible par le sang. Too many walk in their own. Un trop grand nombre marche basé sur leurs propres œuvres. Amen. Tourmenté, effrayé, weakened, affaibli, Amen. En train de lutter.
there is such a terrible lack of assurance by me. Et il y a un si grand manque d'assurance pour plusieurs, en plusieurs. A sense of inner union. Un sens d'union intérieure au Seigneur. A sense of continuous communion. Un sens de communion continuelle with the Lord. Avec le Seigneur. The power of inward assurance. La force tirée d'une assurance intérieure. Venant du Seigneur, cela a affaibli beaucoup, plusieurs. And so there's little contribution. Ainsi, il contribue peu au dessein de Dieu. Ainsi, ils ne peuvent pas apporter une grande contribution au dessein de Dieu. Ils sont trop perdus dans les luttes avec eux-mêmes. Ou bien les luttes avec les autres. Pendant que je dis cela, j'ai comme envie de pleurer. Many of us live. Plusieurs d'entre nous vivent comme des orphelins. Not having that inner assurance. N'ayant pas cette assurance intérieure, we grab for affirmation from heaven. Nous essayons de nous saisir de n'importe quoi pour nous affirmer. For power. Pour avoir la puissance. Position, for power. Pour les positions. Control people. Pour contrôler les gens. Many of those things have placed inner assurance. Plusieurs de ces choses ont remplacé l'assurance intérieure. Of it. Une stature claire avec Dieu. Saint André. Paul a dit au Sanhédrin, I've walked before the Lord. J'ai marché devant le Seigneur avec une conscience claire jusqu'à ce jour. Many are afraid of witches. Plusieurs ont peur des sorciers. Afraid of the future. Ils ont peur de l'avenir. Parce qu'il leur manque cette assurance intérieure. Que suis-je en train de dire? I know the decree of the Lord. Je connais le décret de That's l'Éternel. What the servant of God is saying in this C'est passage. Ça que le serviteur de Dieu dit dans ce passage. In confronting all that is happening in the world. En confrontant tout ce qui se passe dans le monde, il y a la paix intérieure. That inward assurance of God's adoption of the divine commitment. Il vient de cette assurance intérieure de ce que Dieu l'a adopté et engagé envers lui. Est-ce que tu as cela? You know, in serving God, dans le service à Dieu, pour servir Dieu, it starts with this personal relationship with God. Ça commence par cette relation personnelle avec Dieu. To that inward satisfaction with God. Cette satisfaction intérieure avec Dieu.
Qui a compris? If we are going to serve the Lord, si nous allons servir le Seigneur in our generation, dans notre génération, with all that is happening in the world, avec tout ce qui se passe dans le monde, our primary task, notre tâche première the World University of, à l'Université mondiale de prière is to, c'est de produire des gens comme ceci. Ils marchent avec Dieu. No. Ils connaissent Dieu. Not only know his purposes, pas seulement qu'ils connaissent ses desseins, who know where they stand, mais qui connaissent leur standing avec lui. The Lord had that attestation. Le Seigneur avait cette attestation là. So he didn't need to prove anything to the devil by paper. Donc il n'avait pas besoin de prouver quelque chose au diable en opérant des miracles. Est-ce que tu as cela? Ou bien alors, est-ce que tu as perdu cela? Parce que pour plusieurs, ce n'est pas qu'ils n'ont pas, mais c'est qu'ils l'ont perdu. So they look for signs of God being with. Donc ils cherchent des signes qui montrent que Dieu est avec eux. Money, de l'argent, provision, des provisions, miracles, les miracles, signs, les signes. Signs are the counterfeit needed by those who act at church. Les signes, c'est la contrefaçon dont ont besoin ceux qui manquent d'assurance. Avant qu'on nous continue, j'aimerais que quelques ça c'est un grand besoin, le grand besoin. Thank you, Lord, because while the nations are, you laugh, you rebuke things. Lord, you raise your servants, and you grant them to know you are the first of them being that you give them an inner assurance. You give to each one who can be useful to God in continuing with God's word. In a world that is in rebirth, that in a Father, thank you for the knowledge of the type of servant we want that you are imparting to us this evening, Lord. Father, we pray that there will be a desire, Lord, to grow in the knowledge of God, to grow in the knowledge of God, to grow, to know this communion with God, to walk with God with a clear conscience, not just for 1 week. Or 1 month or 1 year, but for years, oh God. People who know and who have the inner assurance so that, Lord, they can know what God is doing. So that they'll know how to fit in and be used by God. Lord, I confess that we need many of such to be produced, oh God, from the participants in this course, from the work you've given us, Lord. We pray that there will be a desire born in the heart and there will be the honesty to face up with where we back out in the places where people once knew it but abandoned, Lord. We pray, oh God, that the whining, trying to get God to do what we want will be abandoned and there will be the owning up to our responsibility before God so that out of stark honesty before you, you can make of us people who know the decrees of God and receive that inner assurance. We ask, oh God, that in the light of this word, Lord, that the use of spiritual gadgets like fasting, prayer, in order to get assurance, will give way to a true use of these things that you've given us from a position of rest, from a position of knowing that we are what God wants us to be, and we're doing what He has called us. Oh, we pray for that inner assurance that can be given only by the Holy Spirit. So that, Lord, what you need, the type of persons you need, Lord, to carry out your work in our generation and in the generations to come, we produce in Jesus' name. Father, I confess
that Lord's assurance. Lord, I remember one time I was asking for miracles, signs, oh God, done. Lord, it was because I lost my assurance with and I was looking for miracles and signs and wonders. Lord, I confess that you forgive me. I repent, oh God, and I pray, Lord, restore me to the assurance that I must have, oh God. I beg you in the name of Jesus Christ, restore me to the assurance that I must have so that nothing will shake me from. In the name of Amen. Seigneur, le désir de mon cœur, c'est de t'être utile. Ce moment de grieve. Seigneur, je ne veux pas seulement me contenter. Je voudrais avoir l'assurance que je suis fille que mon Père. Seigneur, je confesse qu'à plusieurs égards, c'est vrai. Le jeûne, la prière, le don et les autres choses ont été quelque peu pour attirer ton attention, pour gagner ta faveur. Et je comprends maintenant, Seigneur, que ce n'est pas cela. Seigneur, pour cet impérialisme, j'ai besoin. Oh, de d'avoir de toi cette assurance. Seigneur, je prie afin que toi, tu regardes, tu considères le désir de mon cœur et que tout ce que j'ai fait jusque-là, Seigneur, désormais soit à partir d'une assurance que je suis ta fille, que j'ai été appelée à ce moment critique. Oh, Seigneur, pour entreprendre tes batailles. Seigneur, j'ouvre mon cœur. Toi, Seigneur, parce que tu es mon Père et je suis ta fille. Je prie, oh Seigneur, que cela ne soit pas juste comme des slogans. Je prie que tu puisses trouver du milieu de nous. Oh, des filles et des fils et des filles. Oh, qui vont entreprendre, qui vont connaître, non seulement connaître tes desseins, tes décrets, et qui vont les exécuter. C'est pour cela, Seigneur, que tu as gardé encore de ce côté ciel. Seigneur, je ne veux pas ma vie. Je prie afin que tu viennes en aide et que tu nous viennes en aide. Oh, Seigneur, s'il te plaît, et qu'à partir de cette université mondiale de prière, tu te trouves, Seigneur, des fils et des filles qui ont de toi cette assurance et qui vont entreprendre tes décrets, oh, Seigneur, et imposer ton règne. Oh, Seigneur, étant au repos comme toi, tu es au repos. Seigneur, viens à notre secours. Viens à mon secours, s'il te plaît, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Merci. I pray, oh God, for hope to you, so that what you are desiring be established, God. In the name of Jesus, I pray. Amen. Many of the people of the Bible. Plusieurs des personnes de la Bible, des gens de la Bible, started their service to God with when they had received the. Avaient commencé leur service à Dieu ayant reçu l'attestation divine. Just like this. Tout comme ici dans ce tome. Like this servant of God. Tout comme ce serviteur, Seigneur. You find the need for God's God, the divine attestation all over the Bible. On trouve le besoin de cette attestation divine partout dans la Bible. On trouve le fait qu'il y a cette attestation divine pour chaque pour les serviteurs de Dieu à plusieurs endroits de la Bible. Dieu avait dit à Daniel, oh Daniel, Daniel, un homme bien aimé. About Nathanael?
au sujet de Nathanaël, un vrai Israélite en qui il n'y a point de fraude. About Moses, au sujet de Moïse, the meekest, l'homme le plus humble de la terre. About David, au sujet de David, man of, l'homme selon mon cœur. Et toi? About Joshua, au sujet de Josué, take Joshua the son of Nun, a man in his. Prends Josué, fils de Nun, un homme en qui il y a l'esprit. Moïse, vas-y un berger, vas-y quelqu'un qui va, vas-y quelqu'un qui va entrer et Dieu dit la personne. Un homme qui a tête. There was the attestation. Il y avait l'attestation. About Gideon. Au sujet de Gédéon. Oh mighty man. Vaillant héros. God's commission started with the attestation. La commission de Dieu commençait avec l'attestation. They serve the Lord in the assurance of the divine attestation. Ces gens servaient le Seigneur dans l'assurance de l'attestation divine. It was part of their strength to go on when things were hard. Ça faisait partie de la force, de leur force pour avancer lorsque les choses étaient difficiles. Abraham, mon ami. You are Jacob. Tu es Jacob. Tu seras appelé Israël. Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Et tu as vaincu. Have sought that the divine act. Est-ce que tu as recherché cette attestation divine? The knowledge of what God says, thinks, and how He holds you personally. La connaissance. Est-ce que tu as recherché cette connaissance de ce que Dieu dit, de ce que Dieu pense et de comment il te considère personnellement? John the Baptist. Pour Jean-Baptiste, le plus grand homme né d'une femme. That was part of the strength of. Ça faisait partie de la force des gens de la Bible. Ezekiel. God's favorite title for him. Le titre favori que Dieu utilisait pour lui. Fils de l'homme. Au sujet de Job, un homme craignant Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet? Have you ever seriously sought the divine? Est-ce que tu as jamais cherché sérieusement l'attestation divine? You have a knowledge of what you mean. Est-ce que tu as une connaissance de ce que tu
ce que tu représentes pour Dieu, not from deduction, pas une connaissance déductive, but from the test, mais à partir du témoignage de Dieu. Quel est le témoignage de Dieu te concernant? Something that departs from the general. Quelque chose qui est différent de ce qui est général, qui est quelque chose de particulier. Subjective. Merci. Quelque chose de subjectif. I don't know how to tell you. Je ne sais pas comment vous dire cela. From the time I got born again, I was obsessed with what was God. Depuis que j'étais né de nouveau, j'étais obsédé par la question: qu'est-ce que Dieu pense de moi? As an individual. En tant qu'individu. Not mental conclusion. Pas des conclusions mentales. Not what the Bible says about me. Pas ce que la Bible dit me concernant. That which comes from a real personal relationship. Ce qui est obtenu à partir d'une réelle relation personnelle. About Paul. Au sujet de Paul, mon instrument, un instrument, mon instrument choisi. In the Bible, there's the testimony of. Dans la Bible, il y a le témoignage de Dieu. And there's the testimony of demons. Et il y a le témoignage des démons. And there's the testimony of men. Et il y a le témoignage des hommes. And there's the testimony of conscience. Et il y a le témoignage de la conscience. And there's the spirit. Et il y a le témoignage de l'esprit. Have you sought? Est-ce que tu as recherché ces témoignages? Le témoignage de Dieu, le témoignage de l'homme, le témoignage des démons, le témoignage de ta conscience. What does your conscience say about you? Qu'est-ce que ta conscience dit à ton sujet? What do you think about yourself? Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Qu'est-ce que ta conscience dit? Parce que c'est tous ces témoignages qui produisent l'assurance intérieure. And it produces people who can go on regardless of how people treat them. Et ça produit des gens qui peuvent continuer. Sans tenir compte de comment les gens les traitent. About it as... Réfléchis à cela, nous allons continuer demain. The divine... L'attestation divine. The divine... Le témoignage divin. Jesus had it before he started serving. Jésus avait eu cela avant de commencer à servir. He waited for it. Il avait attendu cela avant de commencer à servir Dieu. It is the first aspect of the... C'est le premier aspect du décret divin.
those pour ceux qui servent Dieu. It is required of all who will serve God. C'est exigé de tous ceux qui vont servir Dieu. To build their personal relationship. C'est exigé de tous ceux qui vont servir Dieu qu'ils bâtissent leur relation personnelle avec Dieu. Tomorrow I will ask you and just say, are you ever? Demain, je vais t'appeler à venir nous dire ici ce que ton Père Céleste, comment ton Père Céleste t'appelle, ce qu'il dit à ton sujet. Not what you... Pas ce que tu as déduit. Not what the Bible... Pas ce que la Bible dit te concernant. When I got married, quand je m'étais marié, I was a very... J'étais un gars vraiment très bizarre. I sat down with my wife. Je me suis assis avec mon épouse. Je ne sais pas pourquoi certains d'entre nous sont aussi fous. I invented 22 names. J'avais inventé 22 noms, 22 appellations. And I told her which one. Et je lui ai demandé de choisir lequel sera le nom spécial par lequel je vais l'appeler. She looked at us at number one. Elle a juste regardé le premier. And we have stayed there. Et on est resté là. Donc je l'ai appelé. Je l'ai toujours appelé. Mais j'avais inventé 22 noms. How does God call you? Donc, comment Dieu t'appelle-t-il? What does he say about? Que dit-il à ton sujet? What does God think of? Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Not something from Bible knowledge. Pas quelque chose que tu tires de la connaissance biblique. There's something that... Mais quelque chose qui vient de ta relation avec. The depths of assurance. De la profondeur de l'assurance. Of a relation. D'une relation bâtie. He says in... Il dit dans Apocalypse. He who obeys. Celui qui obéit. And who overcome, et qui vaincra, I will give him his, je lui donnerai une pierre in which is written a special, sur laquelle sera écrit un nom spécial, known just to him, connu de lui seul et de moi, a heavenly identity for, une carte d'identité céleste. Pour l'éternité. For the heart of Jesus alone. Pour le cœur de Jésus seul. An ID card not printed on paper, but printed on a precious. Une carte d'identité qui n'est pas inscrite sur du papier, mais imprimée sur une pierre précieuse. Your special place in his heart. Ta place spéciale dans son cœur. A secret chamber for you. Une chambre secrète réservée pour toi. For all. Pour toute l'éternité.
But the lesson is that. Et la leçon c'est que. In the way God handles. Dans la manière dont Dieu gère le monde. When God has chosen His servants. Lorsque Dieu a choisi ses serviteurs. Their primary adjustment to God's purposes. Leur premier ajustement au dessein de Dieu. Their first service to God. Leur premier service à Dieu. The first element of spiritual statesmanship. Le premier élément du fait qu'ils sont des hommes d'état spirituel. The mature and intimate. C'est une relation personnelle avec Dieu qui est mûre et intime. A knowledge of God. Une connaissance des desseins de Dieu. And a knowledge of personal standing with. Et une connaissance de la stature personnelle avec Dieu. And a knowledge of the divine command. Et une connaissance de l'engagement divin vis-à-vis d'eux. Vis-à-vis de moi. Vis-à-vis de toi. Il avait dit à Moïse, va, je serai avec toi. He was telling Moses. Il était en train de dire à Moïse, I guarantee you my commitment. Je te garantis mon engagement. Commit me. Engage-moi. Je suis engagé. Nous allons arrêter là pour ce soir. I'll be happy. Si tu relis ce passage avant de venir demain, je serai content. If you meditate on it, I'll be happy. Tu médites là-dessus, je serai content. I'm not interested in teaching new doctrine. Ça m'intéresse pas d'enseigner une nouvelle doctrine. The second point in our. Le deuxième point dans notre discussion. About the decree of God. Concernant le décret de Dieu. How God rules the. Comment Dieu gouverne le monde. How He advances His work. Comment il fait avancer son œuvre. Is that. He tells those who have built a good relationship with him to ask. C'est que il dit à ceux qui ont bâti une bonne relation avec lui, il leur dit de demander le monde. Pour prier. Ask. Demander. To build a relationship. Bâtir la relation. And ask. Et demander. And the third. Et la troisième chose, il leur dit la puissance terrible de la prière God. Pour gouverner les hommes et les nations. C'est un sceptre de fer. The relationship, la relation, the ask, la demande and the et le gouvernement, le fait de gouverner par la prière. Donc, il n'y a pas de mystère. The decree of God, le décret de Dieu, known to God's servant, connu aux des serviteurs de Dieu, about what to, how to handle the world, au sujet de comment gérer le monde. We are to fight for the world. Nous devons lutter pour le monde. So that we take. Pour le prendre. Pour que nous le. Dieu veut qu'au lieu de laisser le monde à tous ces mégas canaux, on lui demande, il nous donne. Dieu veut donner le monde à ceux qui sont ses. Et il veut le donner ça à quoi? À la. Ça, c'est la contendance. À contre les contre méga tendances de Dieu et les prières de Dieu.
le monde. Pas qu'on demande. Pas qu'on demande. Tu as. Look at that. God is waiting for the prayer of his son. Dieu attend les prières de ses fils. Of those who have built a relationship with him. De ceux qui ont bâti une relation avec lui. Pour déterminer la destinée des nations. It's God's counter mega. Ça, c'est la grande tendance de Dieu. Contraire. La grande contre-tendance de la prière. The gay movement. Le mouvement gay. Because Dieu dit. Stop wondering how you are this, where the educational system imposes wrong. Cessez de vous inquiéter comment vos enfants vont grandir dans des établissements où le système d'éducation impose les mauvaises bases morales. Bâtissez votre relation avec moi. Demandez-moi les nations. C'est là que nous avons échoué. That's why as God. C'est pourquoi j'ai parlé des grandes tendances. They are making it as it is yet secret. Parce que nous sommes en train de faire comme si la prière était un moyen pour nous de nous cacher dans un monastère, dans notre spiritualité. En priant, nous faisons la chose même qui est à jour. La chose même qui est pertinente. We are not. Nous ne sommes pas sectaires. We are rivals. Nous sommes des rivaux pour prendre possession. Tu ne fais que demander le pain. Dieu veut que tu demandes les nations.